Bonjour à tous. Alors, je baisse un petit peu le son. Bienvenue sur le rétro gaming du jour. Alors, le rétro gaming du jour, c'est un jeu Sega Mega Drive, toujours. Je crois d'ailleurs que ça va être... je vais peut-être faire deux ou trois tests Sega Mega Drive et ensuite changerai de plateforme. Voilà. Donc, ce jeu, c'est Jinoog. C'est un jeu qui est sorti au tout début de la Sega Mega Drive. C'est même d'ailleurs moi le premier jeu que j'ai eu lors de mon acquisition de la Sega Mega Drive. Il y a de ça maintenant une quinzaine d'années, mais en plus, je crois. J'ai pas compté exactement. Mais bon. C'est un shoot'em up. Et quel shoot'em up? Franchement, c'est l'un des meilleurs. Alors vous voyez, on bouge avec haut bas, tout simplement. Hein. Voilà. Alors attendez, je vais peut-être vous mettre un peu de son pour que vous entendiez la musique. Parce que franchement. Elle démonte. Alors vous voyez avec B, on détruit tout ce qui passe. Il faut ramasser les items. Vous voyez la musique? Elle est vraiment chouette. Allez là, faut regarder. Wow. Oui, le shoot'em up. Hein. Mais franchement, c'était très 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 bon shoot'em up. Ah merde! Bon, par contre, on a que 3 vies. Le jeu est assez difficile. Moi, je sais que j'ai toujours galéré. J'ai jamais réussi à le finir d'ailleurs, ce jeu. Waouh! Alors, donc, je vous propose de le découvrir. Moi, c'était un jeu que j'ai retéléchargé sur Zone Sega. Alors, comme vous pouvez voir, on contrôle le petit personnage avec ses ailes là. Les boss sont énormes. Franchement, ils sont magnifiques dans le jeu. Graphiquement, il est loin d'être moche. Oh la vache, oh la vache. Oh putain, oh je sens mal, ah oh, putain c'était sûr. Alors, vous voyez que le jeu est vraiment très chaud, hein. Ça c'est... Ah voilà le premier boss. Putain, j'ai jamais réussi à le battre. Ah si, celui-là oui, j'ai déjà battu, mais... Oh, game over. Vous voyez à quel point... Boss, il y a longtemps que j'ai pas joué aussi. Hein. Mais franchement, ce jeu est vraiment très difficile. Allez, on recommence. Mais franchement, il est pas emmerdant comme jeu. Je veux dire, même qu'on perd ou quoi, c'est pas le jeu qu'on abandonne, quoi. C'est un jeu qu'on peut perdre et vouloir continuer quand même. Alors graphiquement, vous voyez qu'il est pas moche pour un vieux jeu. Pour un jeu sorti au tout début de la Sega. Mega Drive, donc, je précise. Honnêtement, je sais pas si ce jeu est sorti sur Super NES. Je sais pas du tout. Oh putain, là. Mais moi, je sais que j'ai toujours adoré ce jeu. Je vais tenter de me concentrer. Oh non! Oh merde! Putain, je perds une vie, quoi. Donc voilà, Jinoog. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce genre de jeu. Oh putain, là c'est chaud. Ah
Ah, c'est chaud. Oh la vache. Si je passe, une vie. Oh non! Merde, je l'ai eu en plus. Putain, je me souvenais plus qu'il fallait pas toucher les montagnes en même temps. Oh putain, ça suffit! J'aimerais vous montrer le deuxième niveau là, mais je vais jamais y parvenir. Ouais. J'adore cette musique. C'est toute mon enfance qui revient. C'est génial. J'espère que le rendu de la musique sera bonne. On va mettre peut-être un petit peu plus de son. Parce que je voudrais qu'on m'entende parler en même temps. Comme vous le savez, mes captures, le son est toujours un peu médiocre. Je suis désolé. Je me suis toujours pas embêté à chercher un logiciel de capture pour le son. Bon allez. Le but du jeu est pas très compliqué, il suffit juste de shooter tout ce qui passe devant. Je vous avoue que je reste appuyé sur le bouton B. Voilà, là on a une attaque spéciale en appuyant C. Donc là j'ai gagné des attaques spéciales une fois qu'on les ramasse, hein, donc au fur et à mesure du jeu. C'est vrai que j'ai pas pensé, mais j'aurais pu l'utiliser contre le boss. J'ai fait le compte, voilà. Puisque bon, le jeu, il y a vraiment longtemps que j'ai pas joué aussi. Oh là là, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Oh la vache. Ah, j'ai eu. Merci, vous voyez. Ah non! Allez, putain, le boss meurt. Ah ben quand même. Quand même, on l'a eu. Donc vous verrez au moins le deuxième niveau. Bah, de toute façon, mon but, c'est pas de spoiler le jeu, hein, vous savez. C'est vraiment de vous le faire découvrir. Ça, vous voyez un peu si vous aimez ce genre de jeu. De toute façon, il faut savoir que Jinook est considéré comme l'un des meilleurs shoot'em up de la Mega Drive. Franchement, vous pourrez regarder sur internet et vous verrez que on n'en dit que du bien, hein, par rapport à ce style de jeu pour celui qui est fan des shoot'em up. Oh non! Je vous assure que c'est l'un des jeux. Les mieux de la Mega Drive. Il est... Ah putain, game over. Il est rapide, il est fluide, il est tout ce qu'on veut. Ah putain, game over. Je sais pas si je recommence au début ou si je recommence au niveau 2. Bon, si je recommence au niveau 2, on continue un petit peu. Mon but, c'est de vous présenter le jeu. Ah merde, je crois que je recommence. Je crois qu'on est au début. Oh la vache. Vous voyez que ce jeu est vraiment difficile. Sincèrement, on meurt une fois, je vais dire, on perd nos 3 vies, on recommence à zéro. En fait. Ce qui est un peu dégueulasse d'ailleurs, parce que bon, on a des continues, je vois pas trop l'intérêt des continues, parce que bon, en réalité, c'est pour recommencer directement au premier niveau à chaque fois. Je vois pas trop l'intérêt des continues. Mais bon. Ce jeu reste largement jouable quand même. Oh putain.
Quoique. Après, c'est moi aussi qui gère pas bien, logiquement, il faut bouger dans tous les sens. Ouais, bon, je suis nul. Comme d'habitude, je suis un boulet. Je vous assure que vous n'aurez qu'à essayer, vous verrez qu'il est vraiment très difficile. Sérieux, c'est pas que je joue vraiment mal, c'est que ce jeu est vraiment difficile. Eh putain, lui avec ses boules de feu, il me casse les couilles, putain. Pas grand chose d'autre à dire, à part vous laisser découvrir. Vous voyez un peu, regardez les décors et tout. Franchement, moi je le trouve vraiment chouette. Pour un vieux jeu de Mega Drive, franchement, je le trouve vraiment chouette. Il y a de l'action. Le gameplay est vraiment riche. Il faut bouger dans tous les sens. Il faut être attentif à chaque seconde. Éviter tout ce qui vient vers nous. On peut le mettre en easy le jeu, c'est vrai que moi je l'ai mis en difficile, enfin pas en difficile, en normal, parce que bon, j'aime bien faire les jeux en normal, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais ce truc qu'avant les Mega Drive, lorsque vous faisiez les jeux en easy, ils avaient la fâcheuse tendance de vous mettre une autre fin, en fait une fin raccourcie, on va dire, donc vous voyez pas la fin du jeu réel, quoi. C'est vrai que si on n'arrive même pas à le terminer en normal, oh, allez. Excusez-moi, ça me grattait. Allez, petit boss, meurt. Allez, meurt, sale boss. Putain, il est incroyable. Oh putain. Il nique à la face. Bon, la capture va couper. J'espère que ce test vous aura plu. Si vous aimez ce genre de jeu, donc. Donc le titre c'est Jinoog, donc sorti donc sur la Mega Drive, l'un des premiers jeux de la Mega Drive. Sur la jaquette c'est un bonhomme avec des ailes de toute façon, hein, comme vous avez vu en présentation au début. Et voilà, sinon il était téléchargeable sur Zone Sega. Par contre il faut convertir en fichier vide. Donc voilà, essentiel. Je vous souhaite une bonne et agréable journée ou soirée. Et je vous dis bye bye les amis. Ciao, ciao.